Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un cinquième let's play de Resident Evil 2, le remake, le scénario bis avec Claire Redfield. Alors, je dois aller à la tour de l'horloge et puis finir dans la bibliothèque, mais il y a toujours l'autre con qui me suit, on est parti! Ah non, mais lui il rentre par contre, il a pas peur de machine à écrire. Oh. Dégage. Non mais... Mais c'est pas vrai là, le fils de mouette. Rends-moi mon couteau. Voilà, tiens la pose et fais pas chier. Qu'est-ce qu'il fait avec son bassin là? T'es cru où toi? Oh, arrête ça! C'est dégueulasse! Bon, j'ai pas un petit soin quelque part. Un tout petit soin s'il vous plaît. Quelque chose, un mélange d'herbes là. Et c'est barré, je peux sauvegarder. Pas faire de bruit, pas faire de bruit, pas faire de bruit. C'est bon là, ça permet de passer quand même. Putain, je l'ai fait. Troisième étage. C'est là. L'horlogeuse du commissariat, en raison de la grande valeur culturelle de la cloche, j'appelle un spécialiste pour les réparations. On verra les détails quand il sera sur place, mais en attendant, j'ai sécurisé la cloche pour éviter un accident. Oh putain, faut le rouage, je l'ai pas sur moi. Non, non, non. L'appareil, faut une roue. Ça mène où ça, bordel? Un truc à ramasser. Poudre noire en grande quantité. Il faut qu'on reprenne un peu de vie là. Bon, il y a quoi de l'autre côté de l'étage? Même pas monté, elle avait pas d'escalier. Hein.
Oh putain. Non, pas par là. Il va me sauter sur la gueule. Allez, 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 s'il te plaît. Dites-moi qu'il s'est pas relevé, lui. Oh putain, il s'est relevé. Il y en a marre. Casse-toi, bordel. Putain, t'es relou, toi. J'en peux plus de ce jeu. Mais la pression qu'il me fout. Non mais tu rigoles. Tu restes couché, tu restes couché. Tu me laisses parler, tu fermes ta bouche. T'en as même plus de bouche d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ouvres là? Tu veux mordre avec quoi? Bout de molaire. Tiens. Ok, donc le gros est pas loin. On a entendu les pas là. Donc faut que je prenne la roue sur moi. Bon déjà on va au moins s'en charger une. Il est vraiment pas loin là, c'est en paffé là. Peut-être pas me garder ça à la main, on va garder les munitions. Ah, merde. Il est où? Il est où? Ah, fermez vos bouches. Ah, c'est pas vrai. Vraiment pas loin, ce temps pas fait. Ouais, c'est le bon endroit. Et ça c'est fait, on le reprend. Maintenant on va le mettre là. Ah oh, c'est pas le bon. Oh la blague, il y a un autre engrenage à trouver. L'escalier que j'ai fait descendre là. Ok. On va aller voir. Il est en train de se pointer. Je vais mettre le petit rouage en bas.
Je l'ai. Ça a marché? On prend ça. Il y avait rien d'autre. Je crois que l'autre est en train de se pointer là. Y a rien ici, c'est un cul-de-sac, c'est vrai. Ça passe, ça passe. Pas trop besoin de ça. J'aurais dû leur péter les genoux dès le début du jeu à eux tous là. Rien, rien. Y a pas des munitions par là. Non, y a juste de l'herbe. C'est à l'étage du dessous. Oh putain! Le composant. Oh, ça démarre bien, ça démarre bien. OK. 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 Yes. Le passe pour le parking. Allô? Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Mais quoi? Mais c'est qui? Où ça? Dans le quartier. Tu le trouveras. Chérie va bien? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. Sale mioche. Si tu n'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer.
t'inquiète pas, chérie. Tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Oh putain, on joue la petite. Poupée de chiffon, objet clé. Et je me disais, un cube. Ok, ça va servir à ouvrir quelque chose, ça. On peut pas sortir par la fenêtre. Et ben voilà. Enfin voilà, en live j'ai passé plus de 5 bonnes minutes quand même. Yes! Ah ouais, tout ça pour une paire de ciseaux sans déconner. On a une paire de ciseaux. Ok. J'ai bien fouillé, hein, être sûr quand même. Oh, la petite, elle peut pas se défendre, ça va être de l'infiltration au taquet. C'est quoi cet endroit? Rien ramasser là, même pas, pas une seringue pour lui planter dans le cou à l'autre gros porc. Effectivement, c'est quoi cet endroit? On peut pas. Allez, ma petite, tu peux le faire. Je peux rien ouvrir. Peut-être se planquer, je sais pas, je préfère, hein. Pas passer, non. Oh, va y avoir un jeu de cache-cache et la souris là, si je peux tourner sous les meubles et oh, je peux même m'y planquer. Oh, oh. J'aime pas ça. Et merci, je sais que je suis neuneux des fois, mais j'ai compris comment fallait s'accroupir. Je peux rien ramasser, hein. Putain, mais je suis où là? Je peux peut-être sortir par cette porte. Ah,
faut la clé. Il me faut la clé. C'est ce que je viens de dire, on est sur la même longueur d'onde, ma petite. Journal de Tom. 5 février, ça fait 2 mois que j'ai envoyé cette lettre à Oliver et toujours pas de réponse. De toute façon, c'est toujours pareil quand ils sont adoptés. Je parie qu'il vit comme un prince dans une belle maison et qu'il nous a oubliés. Je croyais qu'Oliver était différent, qu'il serait toujours mon ami, je suis stupide. 8 février, Anne a rassemblé tous les petits et leur a raconté une histoire. Elle leur a dit que tous les enfants qui sont adoptés finissent en pâté pour les croque-mitaines. C'est pour ça qu'on n'en entend plus jamais parler. Je sais pas où elle trouve ses idées, mais elle devrait écrire des livres d'horreur. 13 février, il se passe un truc bizarre ici, et c'est pas juste à cause des histoires d'Anne. J'ai été dans des endroits pires qu'ici, et l'orphelinat est financé par une grosse marque de médoc. Mais pourquoi on peut pas appeler quelqu'un ou sortir? Pourquoi il y a tant de docteurs? C'est quoi ces piqûres? On dirait qu'on est... 14 février. Et je vais être adopté, moi! La plupart des gens veulent des petits, alors je pensais que j'étais trop vieux, mais je dois avouer que je suis plutôt content, faut être honnête. Je dirai adios à cet endroit le 20. Je ferai de mon mieux pour être un bon fils, dont mes nouveaux parents pourront être fiers. 19 février, Oliver est revenu au milieu de la nuit, en sale état. Il criait « Au secours !» et tout. Je l'ai même pas reconnu au début, son visage était comme fondu. Il est avec les profs et les docteurs, ils disent que c'est qu'un problème de peau. Il ira bientôt mieux et on pourra partir à l'aventure ensemble comme avant. Wouah, les gosses qui servaient de cobayes. Oh mon dieu, il va l'empailler? Ou c'est celle qu'il a déjà empaillée? Rappelez-vous des notes qu'on a lues la dernière fois. Où tu vas, chérie? Je t'ai dit de rester tranquille. Il faut que tu apprennes à écouter. Laissez-moi tranquille! Je vous en supplie! Je vais t'apprendre les bonnes manières. Tu vas me le payer! Petite peste! Viens là! Oh mon dieu! Arrêtez d'avoir fait ça, crois-moi. Allez-vous-en! Au secours! Que quelqu'un vienne m'aider! Oh, imbécile! Y'a pas d'issue! Je dois me cacher, je dois me cacher, je dois me cacher. Il est où, il est où? C'est terminé maintenant. Oh, il a fermé la porte. Fermée. Où es-tu? Montre-toi. Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Il a vraiment fermé la porte, merde.
ça peut pas être bien loin. Quoi ? Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va partir. Je reste là. Enfin. Ah, putain, ah, ça brûle. Oh, je pouvais pas l'enfermer. Putain, c'est Shining! Minutes plus tôt. Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu sais très bien ce que je veux. Apporte-moi le pendentif ou Sherry meurt. Le pendentif ? Pourquoi faire ? Tu veux que la fille meure ? Bien. Où êtes-vous ? L'orphelinat. L'orphelinat ? Où ça ? Dans le quartier. Tu le trouveras. Chérie, va bien ? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. J'y crois pas. Et merde ! Carte de parking, ok. Attends un peu, enfoiré. Il y a l'autre dans le coin là.
Bon. Ça mène au parking. Ouais, l'ascenseur. Rien à ramasser là, il me semble pas. Encore toi? Oh putain! Mais c'est pas vrai. C'est des zombies ça ou c'est un mec? Arrêtez de me courser. On dirait bien. Faut. Umbrella. T'en foutrais. Oh non, les chiens. On avait d'autres des clébards. Pratique cette mitraillette, j'aime bien. Hein. Ça grogne dans le coin, j'aime pas. Vite les passer mes mines comme ça. Munition de mitraillette, oui, je veux, je prends.
Je crois que j'ai trouvé l'orpheline. Ça doit être l'orphelinat. Tu crois? J'arrive, chérie. Des pierres tombales devant l'orphelinat. Sympa pour les minots. J'ai le pendentif. Chérie, est-ce que t'es là? Un petit raccoon, ça. Peut-être des trucs qu'elle, elle peut ramasser ici. Yes. Lettre du directeur. Au sujet de l'incident en question, je suis ravi de vous apprendre que tout a été réglé. Le 19 février, le sujet 628 s'est enfui du labo et a pénétré dans le bâtiment. 628 était issu du groupe de candidats de ce site et semble y être retourné pour obtenir de l'aide. 628 a rapidement été interpellé par notre équipe. 628 ayant participé aux essais cliniques du labo, il était possible qu'il ait emporté le virus avec lui. Nous avons donc éliminé tous les candidats par précaution. Leur éradication rapide a été menée à bien par l'équipe de sécurité, à laquelle j'aimerais transmettre tous mes remerciements. Quant à nos voisins, nous leur avons dit qu'en raison de l'état de vétusté du bâtiment, nous avions déplacé temporairement tous les enfants dans un autre orphelinat pour leur sécurité. Une fois ceci est entièrement décontaminé, je compte reprendre le rassemblement de sujets expérimentaux potentiels. C'est ignoble. Porte défoncée à la hache. Ta faute. Trop
vrai. Oh, c'est ignoble. Et le truc qui a sorti de son bide, là, il est où? Journal de, si vous lisez ça, appelez la police. Les croque-mitaines sont là, ils mangent tout le monde. Il y a plein de croque-mitaines. Au secours, ils arrivent, aide-moi maman. Quoi faire une save? Oh putain. Le corps empaillé. La fameuse truie qu'il a chassée à Raccoon City. Ouais, bah ouais, 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 ouais. Avant de descendre, hein, machine à écrire. Oui. Plus prudent. Bien fait pour sa gueule, à ce vieux salopard. Chérie, où es-tu? Claire! Chérie, j'arrive tout de suite! Eh ben alors? D'accord. Oh, 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 oh. Oh putain! Cours, cours! Oui, je sais qui est derrière moi. Cavale. Vite! Ne te retourne pas! Chérie, vite! Non! Papa? Qu'est-ce que t'as dit? Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Ne bouge pas. Un infecté. Qu'est-ce qui... Chérie? Où est-elle? Chérie va bien. Vous la connaissez? Quelle incroyable démonstration de force. Que lui est-il arrivé? On doit évaluer la situation. Qui êtes-vous? Moi, c'est Claire. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Où est-elle? Allô? Hein? Oh, oui. Annette. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à William? Je sais pas. De qui vous parlez? La créature responsable de tout ça. Aidez-moi à retrouver, chérie. Je dirais qu'il évolue beaucoup plus vite que prévu. Où allez-vous? Écoute, j'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Tout est sous contrôle, d'accord? Je dois retrouver, chérie. Ne t'occupe pas de ma fille. Et on va s'arrêter là les amis pour ce cinquième let's play de Resident Evil 2, le remake avec Claire Redfield.
On aura réussi à sauver la petite des mains de ce salopard de chef de la police. Pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était Loul 5100. Ciao, ciao, ciao.